Salut à tous, c'est Kiwi, on retrouve Tony Cipriani pour le 8e épisode de GTA Liberty City Stories. Les petits amis, si vous voulez me soutenir, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et mettez un petit commentaire. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines aventures. On est devant chez maman. Et on va récupérer la mission suivante. No Son of Mine. Ma, you there? Tony? I'm just on the phone. Yeah, he's here now. Okay, okay, I'll school him. Fine. Tony? Come to upset your mother again, huh? You spend all day playing the tough guy? You never come to see me. I'll bring home any nice girls. But who'd want you anyway? You look so pasty and thin. You're trying to kill me with the shame and the worry. Well, no more. From this point on, we're broke. I've called a hit on you. It's really the only way, man. Mais quoi? What? Ma? You were always a disobedient fool. Oh, la galère. This is the best, son. At least try to die like a real man. Try to stop shaming me. Mais non, mais non, mais non. Mais c'est abusé, j'ai même pas de pare-balles. J'ai même pas de pare-balles. C'est abusé. Non mais attends, attends, attends. Attendez. C'est pas grave. Voilà. Allez. Fume-le le mec là. Voilà. Oh, mais j'ai usé tous mes... On a un Uzi là, je crois. Oui. Nous avons un Uzi, les petits amis. Ça, ça va exploser. On va pouvoir faire les missions autodéfense, je pense. Enfin, je crois. Ok, d'autres tueurs arrivent, ouais, ben... Et si les policiers faisaient leur travail un tout petit peu, quoi? Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Non! Alors attendez, attendez, attendez. Mission terminée, c'est cool. Par contre, c'était un peu le boxon. Il va me falloir un pare-balles. Hein. Là, il y a beaucoup trop de policiers. J'aimerais bien que les policiers se cassent un peu. Alors, je prends cette voiture. Je sais où se trouve un pare-balles. Je sais, je sais. Il faut qu'on aille checker vite fait à l'ammunition aussi, si il y a moyen de... Là, il y a un pare-balles ici, là. Voilà, faut y aller mollo. J'ai dit, faut y aller mollo. Voilà, genre un truc comme ça. Voilà, ça c'est bien. Il me faut. Il me faut, il me faut. Ok. Ok, ok, ok. Il me faut trouver le chemin de l'ammunition, hein, tout simplement. Il est juste là, on va passer par ici. Par cette ruelle, on va juste aller checker. En espérant qu'il soit enfin disponible. Oh, je me trompe de sens. Ma voiture fume en plus, n'importe quoi. Ok. Allez, dis-moi que c'est ok. Dites-moi que c'est ok. Et... Oui, stock pour acheter, non? Non, ça veut toujours pas. Bon, ça veut toujours pas, c'est abusé. C'est abusé. Bon bah du coup je fais quoi? Je prends une petite moto. Voilà, je vais prendre celle-là. On va aller rejoindre le marqueur de la lettre J là. Pour faire les missions suivantes. Ok, je suis allé beaucoup trop loin. J'ai 40 000 $ et impossible d'acheter un Uzi. No work for no Leone. Hey, Tony, come
come back when you're less conspicuous. Oh, il faut que j'aille me changer. Enlève ton costume, Léon, sinon JD pourra pas être vu en train de te parler. Ok. Bon, bah, direction de la planque. Hein. On n'a pas trop le choix. Direction la planque. On va passer par là-bas. Tout ça pour prendre une mission, quoi. Tout ça pour récupérer une mission pour parler à ce type là. Est-ce que Christine est toujours dans le garage? Christine, tu es toujours là? Ouais, super. Est-ce que j'échangerai ma machette contre... Enfin, ma machette, ma petite hachette contre ma batte de baseball? Ouais. Je préfère ça. Large. Large, large. Par contre, j'ai pas eu le choix de... Juste en passant dessus, ça me l'a récupéré. Et ça m'a viré l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme costume? On a tenue décontractée. Et ok, on n'en a que deux. Donc on va juste mettre en décontracté, tranquillou. Nous sommes full life. Hein. Retournons parler à ce type là. Comment il s'appelle? C'est Jeff? Je ne sais plus. Oh bah super. Oh bah alors super. Toi, j'ai envie de te défoncer. J'ai envie de te défoncer. Il y a trop de policiers là. Il y a trop de policiers, t'as bien de la chance. Ça risque de me pourrir 5 minutes de vidéo à devoir échapper aux policiers. Ou une minute pour me rendre au paint and spray. Vas-y, le taxi qui fait n'importe quoi. Ah bah ouais. Il en faut toujours un. Bah oui. C'est comme ça. Ok, ça veut dire quoi ça? Bonnet voyeur? Bonne voyeur? C'est bizarre comme nom. Hey! JD, get out here! Hey JD, you little sicko, get the fuck out here before I come in here and break your legs! Aïe aïe aïe, c'est quoi ça? Shut the fuck up right now. Okay, relax, Tony. Where's my money? See, that's the problem. We are getting ripped off. All right, now you wait here. I gotta go change out of this thing, you know. Hey, Raven, time to put away the double ender. Wow, mais c'est quoi ce délire? Sérieusement? Hey, Tony. Let's you and me go for a drive. Ouais, t'as bien compris, mec. Ne pose pas tes mains sur moi. C'est dégueulasse. Monte dans la camionnette de JD. Mais du coup, c'est JDG? C'est le joueur du grenier? Récupère l'argent de JD auprès de ses filles. Fais vite, elles finissent de bosser à 3h du matin. Ouais, elles sont où ces filles? Ok. Vas-y. Ok. Dans le Red Light District. Oh, attendez, c'est sérieux là? Le Red Light, c'est où? C'est là-dedans? Oh, ça, c'est pas le Red Light. Le Red Light, c'est juste ici. Hey, I recognize that girl. Hey, JD, I got your money right here.
Ok, nickel. Ça en fait deux. She's one of my girls. Did you think I wasn't going to bring this to you or something? 445. Get the money back, Tony. Well, hello there, handsome. Récupère le fric du Mac. Je prends. Il y en a une autre ici. Nickel. Vas-y, viens par là. Plus que 235 dollars à récupérer. Il y en a une autre là. Où ça, là? Ok. 150 dollars. Une autre part ici. Ok, bah apparemment c'est bon. J'ai fait peur au client, mais quoi? C'est bizarre ça. Ah, pousse-toi toi. Bon, bah petite mission sympathique, hein. I don't think the girls are gonna give me any more trouble on this shift. Mission terminée. Voyons voir la suivante. Excuse you. Where have you been all my life? Done in 60 secondes. Thank God you're here, Tony. I just had a tip off that the cops are gonna raid us. So? Got a license? For some of the shit that goes on here. Salvatore is here. Paying my girls a special visit, you know? We gotta get him out of here before the cops arrive. Meet him out front. Never a dull moment. Ok, le patron est dans l'établissement. Oula, 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 oula. Hope you got backup. Get me the hell out of here. On se casse, on se casse. Pas de problème. On se casse. Y a pas moyen de choper un indice là? Pas un indice, un petit pot de vin. Ah, c'est pas ici. C'est pas là, c'est pas là. C'est là. Voilà. Pousse-toi. Ok, c'est cool. C'est vraiment très cool. On va pouvoir leur échapper facilement. Est-ce qu'on doit le ramener chez lui? Ouais, nickel. Au moment où j'étais en train de le dire, en plus. Monsieur Salvatore, je vous ramène chez vous. Ne vous inquiétez donc pas. Et c'est là que je tombe dans le ravin. Et que je le noie. You did well today, son. I like your style, I always have. Thank you, Mr. Leone. You know, I think Vincenzo is taking up too much of your time. I could use a good fellow like you. Give me a call sometime. Uncle Sal will take care of you. Nickel, on va redevenir son bras droit très prochainement. Mission terminée. Mais moi, je veux tout de même... Ammunition a maintenant des pistolets mitrailleurs en stock. Ha 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 ha. Vous savez ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, les petits amis. Je vous le mets dans le mille, l'autodéfense. Mais on va tout de même retourner voir JD. J'essaierai de choper son nom complet sur internet pour vous le mettre dans le titre de la vidéo si on ne fait que des missions pour lui. Mais avant, est-ce qu'il y a moyen d'acheter tout ce qu'il faut?
On va dépenser notre argent bien correctement. 600$, ouais, pas de problème, vas-y. Allez, vas-y, achète-moi tout ça, là. Claque-moi toute ta thune. Je pense que ça va aller, non? 3500. On a claqué presque la moitié. On est à 25 000$. Mais c'est pas un problème. C'est pas du tout un problème. Faut bien tout ça de munitions pour faire les missions autodéfense. Volatile situation. Hey, Tony. I can't come out right now. I'm busy, you know? Why? What's going on in there? And what the hell is that smell? Look, Tony, we're catering to some real specialists today. This stuff is internet gold dust. What you should be concerning yourself with is that Leone gaming house up in St. Mark's. The Sindacos are going nuts about it. I heard they're gonna blow the place off the map. Ok, ok. Va au casino. C'est une moto Leon, ça? Non, je crois pas. Hein. Quoi qu'elle est toute noire. Et elle était garée devant chez Salvatore. J'avais pas du tout le souvenir qu'ils avaient des motos aussi dans la famille. Sindaco goons coming your way, and they're packing big time. Watch yourself. Thanks, JD. Appreciate it. Ok, les explosifs, ça sent pas bon, ça. Liquide les saboteurs, Sindaco. Faut que je fasse quoi, là? De là, toi. Ils sont où les mecs là? Ils arrivent par là? D'autres Sindaco rappliquent, arrête-les. Ok, c'est cool. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont par là. Non. On va tenter d'intercepter le troisième groupe. Est-ce qu'il serait pas blindé ce véhicule là? Non. Ok, j'ai fait du ménage. Les Sindaco ont préparé un camion piégé, ils vont raser le casino d'un seul coup. Bah, encore mieux. Toujours plus. Ah, vous inquiétez pas, j'arrive. Vous inquiétez pas, j'arrive. Est-ce qu'il est le camion? Il est là, il est là, il est là, il est là. Non, il est devant. J'ai failli tirer sur le mauvais camion. Ah, j'ai bien fait de faire le plein. J'ai bien fait de faire le plein. Cours, cours. Ok. Waouh. Ah, c'était Tandax. C'était Tandax. Arrêtez, voilà, d'exploser près de moi. Bon, je vais aller récupérer déjà un petit véhicule. Les gars, vous me prêtez votre véhicule? Non, vous êtes trop nombreux, vous allez vous énerver. J'ai pas envie de me battre contre des membres de la famille. Toi, par contre, ta bécane, ça m'intéresse. Ça dégage. Et on y retourne. Alors, GED, qu'est-ce que t'as à me donner comme mission maintenant? Je suis assez efficace. Hein.
On fait pas d'échec pour l'instant, il n'y a pas de montage, il n'y a rien, c'est cool. Blow up dolls. Ou blow up. So Tony, the Sindaco's got this place, the doll's house. It's a casino and bordello in one. Classy, so you might lose at the tables, but you can bank on the ass. Well, the place is key to the setup. If you were to put it out of business, you know, blow it up or something. I'm telling you, we'll be golden with Salvatore. Avec plaisir. Trouve un véhicule adapté et équipe-le d'une bombe. D'accord. Comme par hasard, un petit véhicule Sindaco. On va aller à l'atelier de 8-Ball. On va voir, peut-être qu'on va le voir. Je ne sais plus si à ce moment-là de la chronologie GTA, il a déjà perdu ses mains. Non, je crois que c'est dans GTA 3. Je ne sais plus. Normalement, si je me souviens bien, il a encore ses deux mains là. Ah, je crois que c'est dans GTA 3 lorsqu'on fait péter le bateau. Hein. Ou alors juste avant. Ah, je ne sais plus, je ne sais plus. On va passer par là. Est-ce que c'est le genre de mission où il faut y aller tranquille et il faudra pas la cogner? Bon, déjà c'est pas gagné. On va même pas lui parler, c'est des dommages, non. Utilise le détonateur pour activer la bombe. Ok, il y a une jauge de dégâts, donc il va falloir faire gaffe. Il va falloir faire gaffe. Prends le véhicule et garde-le devant. Conduis prudemment, si ton véhicule est trop endommagé, il explosera. Et là, le jeu va nous mettre des conducteurs fous sur la route, c'est ça? C'est ça le deal? Oh là là, ça lag là. Oh là là, ça se fige même. Oh, dis donc, c'est quoi ça? Pas de plantage ici, hein. Toute la vidéo se déroule sans aucun accro. Ne me faites pas un beau plantage ou... Parce que là, j'ai pas fait de save depuis le début de cette vidéo. S'il vous plaît, ne me faites pas ça. Poussez-vous. Ah non, c'est là-bas. Ah mais oui, c'est le bâtiment qu'on explose. C'est vrai, c'est vrai. Tiens, ça dégage. Ok. Maintenant, abandonne le véhicule et tire-toi. Allez, boum. Allez, on y va. On va regarder ça quand même. Échec de la mission, t'étais trop près de l'explosion? Vous êtes sérieux les mecs là? Mais non. Et bla bla bla, il y aura pas de montage les petits amis, ouais c'est ça ouais. Il y aura pas de montage. Eh ben je me suis bien trompé. J'ai dû recommencer toute la vidéo. Mais vraiment toute la vidéo, je suis dégoûté. Car oui, vous imaginez bien que perdre plus de 20 000 dollars de Uzi, c'est pas possible. Je me suis retrouvé devant l'hôpital, sans thune et sans tout ce que j'avais acheté. Allez, vas-y, écrase-moi, je te dirai rien. Voilà, allez, on va pouvoir voir cette fois-ci le feu d'artifice d'assez loin. Ok. Tout le monde brûle, le bâtiment a explosé, c'est une très bonne chose. Mission terminée, 1 500 $, ça fait plaisir. Bon, il ne me reste plus que... Il ne me reste plus qu'à quoi? Attendez, on va se trouver une petite bécane. Viens par ici. Je vais pas y arriver. Tu vas descendre de ta moto toi? Merci. C'est pas possible. Mais vraiment pas possible.
Faut juste que je quitte le secteur assez rapidement. Bon alors, en fin de compte, on va pas se rendre sur la prochaine mission. Après réflexion, les petits amis, je viens de me souvenir que pas très loin, il y a une petite mission RC, si je ne me trompe pas. Faut juste se rendre sur le chantier de construction. Pas très loin. Ah, attendez, on peut vérifier un petit peu à quoi ressemble l'emplacement où Claude va loger dans le prochain jeu, là. Enfin, dans GTA 3. J'imagine que le garage n'est pas ouvert. Qui me tire dessus, là? Ça canarde, ça canarde. Ok, ok, ok. Alors, venez par ici. Normalement... C'est quoi ce camion, là? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une mission? Je crois pas, mais... Non, c'est pas une mission du tout. Par contre, cette camionnette blanche, là, ça, c'est une mission. Voilà. Et là-bas, il y a une moto aussi. Tiens donc. Mais arrête de me tirer dessus. Les mecs... Le mec qui s'y se rend, quoi. Le mec... Mais attendez. Ok, ça tire depuis l'extérieur. Ok, 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 ok. Bon, on ne doit pas se tirer dessus 30 ans. Et c'est parti pour la petite mission. Ah, mais c'est une course. RC niveau 1. Ça marche. Moi, ça me va. Meilleur temps, 1 minute 20. J'ai essayé de battre les autres véhicules radiocommandés dans une course en un tour autour du chantier. Déjà la 8e tentative. C'est hyper dur. Mine de rien, c'est hyper dur, mais je ne lâche rien. Les voitures sont carrément pas maniables. Dès que je tourne un tout petit peu, ça part dans tous les sens. Voilà, comme ça. C'est du grain n'importe quoi. Et là, ça bug contre le mur. C'est pas cool. Oh là 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 là. Est-ce que je vais réussir à les rattraper? Ça m'étonnerait, mais bon. J'y crois quand même, hein. Peut-être, peut-être, peut-être. Oui. Oh, mission terminée, 1500$. Bravo, t'as gagné et inscrit le meilleur temps. 0,43 secondes. Bon, ben c'est cool, franchement, c'est vraiment cool. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ta prochaine course sera en deux tours? Pardon? Comment ça? Trashing RC niveau 2. Alors ça, c'était pas prévu, les petits amis. Sur la Solus, c'est pas écrit que ça compte pour le 100%. Mais je suis tout de même curieux de savoir pourquoi il existe une suite au niveau 1 alors que c'est pas référencé sur les solutions. Ça m'intrigue. Non, vraiment, ça m'intrigue là, je suis curieux. Dubitatif. Oh, si je la passe du premier tour, c'est magique. Ok. Vas-y, accélère. Ah mais oui, c'est vrai qu'il y a deux tours. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'avais déjà oublié. N'importe quoi. Allez, non, 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 non. C'est pas le moment. Rattrape-le, rattrape-le. Ok, mission terminée, 2000$, c'est cool. Ok, il y a encore un autre niveau, il y a un niveau 3, c'est ça? Ta prochaine course sera en 3 tours. Ça ne s'arrêtera donc jamais.
Ah ben c'est parti pour un 3 tours. Allez. Après je m'inquiète pas trop. 3 tours, ça me laisse large le temps de les rattraper vu qu'ils vont faire n'importe quoi. Voilà, parfait, parfait. Ben oui, mais bien sûr. Continue comme ça. Je suis deuxième. Ok. Moi, ça me va. Hein. Moi, ça me va très bien. L'autre, je vais le rattraper, Fissa. Il y a une moto en plein milieu, je sais pas si elle était là, si elle était là ou pas avant. Rattrape-le, rattrape-le. Ouais, super, je t'ai remis dans le droit chemin. Je suis dégoûté. Non. Non. Non, ça c'est pas cool. Oui, il s'est planté, et moi aussi. C'est du grand n'importe quoi. Allez, ça dégage. Ça dégage. Ok, mission terminée. Bravo, t'as gagné, mais t'as pas battu le meilleur temps autour. Bah c'est pas grave ça. J'ai tout de même gagné. C'est pas un problème. Recommence la course pour battre ton meilleur temps autour. Ah bon? Ok, bon, je vous ai passé la course. Hein. Bravo, t'as gagné et t'as inscrit le meilleur temps autour. 34 secondes, ben c'est parfait, c'est nickel. Non, ben ça suffira, merci. Ça suffira, il n'y a pas de niveau 4. J'ai tout fait. Et ça, c'est vraiment cool. On va juste récupérer cette petite voiture. Voilà. On va se rendre à côté du commissariat pour mettre un terme à cet enregistrement, les petits amis. Car vous l'avez compris, l'autodéfense commence dans la prochaine vidéo. Et ça, ça fait bien plaisir. Je suis impatient de savoir comment je vais me débrouiller sur cette série de missions annexes. Sur ces 12 levels. Allez, on croise les doigts. Et on se souhaite beaucoup de courage et beaucoup de maîtrise pour la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à plus. Salut à tous et bye.